accompagnée de ma petite plante et de ma petite tasse de thé pour vous parler de mes lectures de cette semaine. Les voici. On a un peu de tout, on a des BD, on a des romans et on a également des mangas. Je commence par vous présenter Meurtre d'emploi, le tome 2 qui a été écrit par Holly Jackson et qui est aux éditions Casterman. Je vous en avais déjà parlé lors de ma précédente vidéo étant donné que c'était ma lecture en cours. J'ai bien entendu terminé. Dans cette histoire, on va retrouver Pippa et Ravi, donc deux personnages qu'on retrouve également dans le tome 1. Dans le premier tome, Pippa avait comme travail de fin d'études de réouvrir une enquête de disparition d'Andy Bell, une lycéenne. Elle n'était pas convaincue par la théorie de la police, elle avait donc réouvert l'enquête. Ici, dans ce tome 2, nous la retrouvons, donc elle a repris le cours de sa vie. Elle ne veut plus entendre parler d'enquête, ça a été extrêmement éprouvant pour elle au niveau de sa famille, au niveau de sa vie en général. Le souci, c'est que le grand frère d'un de ses meilleurs amis disparaît. Donc cet ami, nommé Connor, va lui demander de s'occuper de cette enquête parce que la police considère cela comme n'étant pas une disparition inquiétante. Suite à la demande de son ami, Connor, Pippa va essayer de découvrir ce qui est arrivé à son frère, Jamie. J'ai beaucoup aimé cette histoire, tout autant que la première. L'enquête est bien menée. Au fur et à mesure de l'enquête, en fouillant, Pippa découvre plein de choses, plein d'informations. C'est extrêmement bien construit. Moi, j'ai adoré. C'est très difficile de lâcher ce livre une fois qu'on a commencé. Au niveau de ce livre, tout au long de la lecture, on va retrouver des informations comme ceci. On va retrouver ce modèle-ci pour les interviews. On a également quelques illustrations. J'ai vu quelque chose ici. Voilà, on a aussi des échanges de mails qu'on peut retrouver sous cette forme-ci. On a aussi des discussions WhatsApp. Et voici des photos et autres illustrations. C'est vraiment bien construit, tout est fait pour se retrouver dans l'ambiance enquête, policier. Et Pippa se fait vraiment tout un dossier concernant cette enquête, cette disparition de Jamie. J'ai adoré aussi bien le premier que le second tome, je vous le conseille vraiment fortement. J'ai également lu celui-ci, donc c'est Lumière, le voyage de Svetlana. C'est de Carole Trébor et c'est aux éditions Rajo. Alors, concernant cette histoire, on se retrouve au XVIIIe siècle à Paris et on va suivre Svetlana qui est une jeune fille de 15 ans. Elle vit en France, elle a été adoptée par deux personnes assez savantes. Sa mère adoptive est plus penchée sur le côté artistique, son père c'est un peu plus scientifique avec tout ce qui concerne l'astronomie. À la mort de sa mère adoptive, elle va découvrir que sa mère biologique est toujours vivante et pour respecter les dernières volontés de sa mère adoptive, Svetlana va entamer un voyage jusqu'en Russie pour essayer de retrouver sa mère. Elle va emmener son père adoptif avec elle, qui est un petit peu réticent par rapport à ce voyage. Le voyage est assez long, il est assez dangereux. Elle part aussi quand la météo se dégrade, donc elle a des conditions climatiques assez difficiles durant ce voyage. C'est très éprouvant. Il va y avoir des accidents, il va aussi y avoir des dangers, des agressions. Ils vont se faire attaquer par des bandits pendant leur voyage. La personne qui leur sert de guide et de cocher va être tuée accidentellement, mais son père, par contre, adoptif, va être tué par ces bandits. Elle risque de connaître un sort similaire, mais elle va être sauvée par un jeune garçon, un jeune paysan un peu rebelle, qui s'appelle Alyosha. Il l'emmène avec lui
et il va lui proposer de lui servir de guide et donc de l'accompagner dans la poursuite de sa quête. Au courant de la quête de Svetlana, elle va découvrir l'existence de la magie, des dieux païens et également des forces maléfiques, du mal qui essaye toujours de revenir, et elle aura un grand rôle à jouer par rapport à ça. J'ai bien aimé ce livre de manière générale. On a beaucoup d'informations concernant la Russie. D'ailleurs, il y a tout un dossier prévu pour ça, je vais vous montrer. À la fin du livre, on a ceci, de la France à la Russie, le voyage de Svetlana, où on va retrouver plein d'informations comme le trajet qu'elle a emprunté. On a aussi des informations concernant l'encyclopédie, concernant Diderot, Montesquieu, parce que on se retrouve à la période des Lumières. Donc, par exemple, Diderot va être un des personnages repris dans l'histoire. On a aussi des informations concernant les personnages historiques russes, évidemment. On va aussi retrouver plein de petites notes de bas de page dans la lecture. Par exemple, ici, dans le texte, on nous indique le mot babouchka. Et juste en dessous, on a l'explication. C'est une grand-mère russe, terme générique et affectueux pour désigner les vieilles dames. Et c'est comme ça tout au long de la lecture. Donc directement, on a l'information juste en dessous et on ne doit pas aller, par exemple, voir à un glossaire qui serait à la fin. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. C'est un aspect assez pratique. Donc de ce côté-là, pour l'aspect historique, j'ai bien aimé. Ça apprend plein de choses. C'est bien documenté. C'est bien fait. Par contre, j'aurais aimé que la magie ait une place plus importante. Tout ce qui est magie, sorcellerie, soit plus mis en avant. Le personnage de Svetlana m'a par moments dérangée. Alors c'est une jeune fille de 15 ans, elle est assez naïve, elle a vécu dans un cocon doré en France pendant des années. Là, elle entame un voyage qui est vraiment très pénible, très difficile. Elle doit faire face au deuil de sa mère, elle doit faire face au meurtre de son père. J'entends très bien, donc elle peut être fragilisée, il n'y a évidemment aucun souci par rapport à ça. Par contre, je trouve qu'elle a des comportements qui sont assez égoïste, assez méchant par rapport à certains personnages, notamment Alyosha, qui lui l'aide le plus possible, qui l'accompagne, qui la suit, qui l'encourage, bref, qui est toujours à ses côtés quoi qu'il se passe. Il y a également la relation par rapport à sa mère biologique. Au final, toute la quête du livre, c'est ça, elle va essayer de retrouver sa mère. Et j'ai trouvé que son attitude, quand elle la retrouve, elle m'a laissée vraiment perplexe. J'ai pas bien compris son attitude. Donc si jamais vous l'avez lu ou si jamais vous le lisez, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresserait. Ensuite, j'ai pu lire Frissons au mont Hemlock. C'est de Catherine Harden et c'est aux éditions Pocket. C'est le premier livre que je lis de cette personne. Je sais qu'il y a un premier tome, enfin un premier livre qui est sorti, donc c'est Terreur à Smoke Hollow. D'ailleurs, on le retrouve ici au verso. Moi, j'ai commencé directement avec celui-ci. D'après ce que j'ai compris, on retrouve les mêmes personnages. Donc, on a Holly, Brian et Coco qui sont en route avec le père de Holly et la maman de Coco, sont en route vers un hôtel qui se trouve au mont Hemlock pour un séjour au ski. Sur la route, le voyage est assez difficile parce qu'il y a une tempête de neige qui fait rage. Tout le monde prend son mal en patience, la route est difficile. À un moment donné, Coco va s'assoupir, elle va faire un rêve étrange et quand elle se réveille sur la route, elle va clairement voir une silhouette habillée vraiment en mode ski, donc anorak, lunettes et tout ça, qui va faire un geste d'avertissement. Donc le seul problème, c'est que c'est la seule à avoir vu cette silhouette, les autres pensent qu'elle a simplement rêvé. Ils vont arriver à l'hôtel. L'hôtel qui est désert, ce sont les premiers arrivés. Les autres personnes qui étaient attendues pour ce séjour au ski ne sont toujours pas arrivées à cause de la tempête, évidemment. Les deux propriétaires, donc un mari et sa femme, les accueillent et dirigent les enfants dans leur chambre, un dortoir pour les filles, un dortoir pour les garçons. On leur apprend que cet hôtel
il y a pas mal de soucis au niveau du chauffage, notamment au niveau de l'électricité. Il y a des pannes un petit peu inexplicables. Et il va également se produire des choses étranges. En effet, Oli et Coco vont entendre des bruits et vont également voir des fantômes. Elle n'en parle à personne, en tout cas pas à leurs parents, étant donné que le père de Oli et la mère de Coco sont des gens assez terre à terre qui ne croient pas aux fantômes. À un moment donné, il y a un journaliste qui arrive. C'est un journaliste qui s'occupe des phénomènes inexpliqués, principalement des fantômes. Et il va leur apprendre que, initialement, cet hôtel était un orphelinat. Un orphelinat où les choses ne se sont pas très bien passées, il y a eu des enfants maltraités. Et donc, il vient faire un reportage dans cet hôtel concernant les fantômes. J'ai bien aimé la lecture de ce roman. Je l'ai lu d'une traite, donc je l'ai lu en une après-midi, je pense. J'ai bien aimé l'ambiance, hôtel perdu dans la tempête, perdu en plein montagne. Ça rappelle clairement Shining. Moi, j'apprécie cette ambiance. J'ai lu Brasier, Héritage et Coup du sort de Anne Granger aux éditions 10-18. C'est le second tome que je lis d'Anne Granger. J'avais commencé avec celui-ci, Cottage, Fantôme et Guet-apens. J'avais passé un très très bon moment, donc j'ai eu envie de poursuivre. Nous sommes en Angleterre, dans un petit village reculé. Un soir, il y a un manoir abandonné qui prend feu. On se pose la question de savoir si c'est un incendie accidentel ou si c'est volontaire, étant donné que le manoir est abandonné depuis plusieurs années et qu'il y a régulièrement des squatteurs. Ça peut être des vagabonds, ça peut être des junkies, ça peut être des jeunes qui se rassemblent là par moment. La police arrive sur place et en fouillant les décombres, on trouve un cadavre calciné. Au niveau de l'autopsie de ce cadavre, on se rend compte que la personne a été frappée à la tête par un objet contondant, qu'elle était toujours vivante par la suite, et c'est le déclenchement de l'incendie qui est la cause de son décès, donc le fait d'avoir inhalé les fumées. Donc on va se demander qui est cette personne, ce cadavre. Ça correspond à première vue à l'actuel propriétaire du manoir, un homme qui s'appelle Gervas Krohn, mais qui normalement vit au Portugal. Donc il habitait durant son enfance dans ce village qu'il a quitté depuis plusieurs années. Finalement, ce n'est pas Gervas Krohn qui est la victime de cet incendie. Il était bien au Portugal, il va revenir en Angleterre pour voir ce qui se passe exactement par rapport à cette histoire. La question maintenant est de savoir si il a quelque chose à voir avec cet incendie et avec ce meurtre, ou si au contraire c'est lui la cible qui était visée et on s'est trompé de personne. L'enquête policière va être menée par Jess Campbell et Ian Carter. Ils vont commencer à creuser, alors ils vont trouver plein de petits secrets, plein de rancœurs, plein de haines qui sont plus ou moins profondément enterrées. Il faut savoir que le personnage de Gervas Krohn, c'est un personnage qui n'est vraiment pas du tout apprécié au village. Pendant son adolescence, il a eu pas mal de soucis, notamment ivresse au volant. Il a causé pas mal d'accidents et le dernier en date, celui qui l'a poussé en fait à partir, c'est un accident de voiture où malheureusement il était accompagné d'une jeune fille qui s'est retrouvée paralysée. J'ai beaucoup aimé cette histoire, l'intrigue, le côté policier est très très bien mené. Les personnages sont un peu rustres comme ça, ils ont du mal à se livrer. Cette ambiance vieille Angleterre dans des petits villages reculés où tout le monde connaît tout le monde et tout le monde garde les secrets de tout le monde, c'est vraiment très agréable. En tout cas, moi j'aime bien ce style de lecture, c'est pile poil. Le type de roman que je conseillerais quand il fait un petit peu gris dehors, quand il pleut, vous prenez une petite tasse de thé, un plaid et vous passez un excellent moment. Je continue avec Coraline, c'est de Neil Gaiman. Ici c'est aux éditions Albin Michel. Moi je connais à la base le dessin animé
dessin animé que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés. J'aime bien ce style, cette ambiance un petit peu noire, un petit peu sombre. Et donc ici, j'ai eu envie de le découvrir via la lecture et je ne suis pas déçue. Au niveau des illustrations qu'on peut voir ici et au niveau du dos, elles ont été faites par Benjamin Lacombe. Et à l'intérieur, les chapitres sont précédés du chat noir. Alors, au niveau de l'histoire, on a Coraline qui vient d'emménager dans une grande maison avec ses parents. Cette grande maison est divisée en plusieurs habitations. L'ambiance à la maison est pas super folichonne. Les parents de Coraline travaillent beaucoup, donc ils n'ont pas beaucoup de temps à lui accorder. Elle est souvent assez seule à s'inventer des jeux. Elle va commencer à rencontrer ses voisins. Donc on a les vieilles demoiselles, comment elles s'appellent ? Spink et Forcible, avec leur chien. Il y a également un autre habitant, Monsieur Bobo, qui est assez particulier. D'ailleurs, Coraline le surnomme le Toquet. Elle va également faire la rencontre d'un chat, un chat noir qui a l'air assez singulier, c'est pas un chat habituel. Étant donné que Coraline s'ennuie un petit peu, elle va décider d'explorer. L'exploration, elle adore, c'est un de ses hobbies. Elle va commencer par explorer la maison, donc à faire des comptes, comptabiliser le nombre de portes, de fenêtres, d'objets qui sont bleus, des choses comme ça. Et en s'attaquant au nombre de portes, elle découvre qu'il y en a une dans le salon. Quand elle l'ouvre avec les clés, bien entendu, elle tombe sur un mur de briques. Donc apparemment, cette porte a été condamnée. En apparence seulement, parce qu'un petit peu plus tard dans le courant de la nuit, cette porte s'ouvre et c'est le passage vers un monde parallèle. Donc c'est comme si... c'était un monde miroir de sa propre vie, de sa propre maison. En traversant le passage, elle va retrouver sa maison, mais en beaucoup plus colorée, beaucoup plus confortable, beaucoup plus attirante. Elle va également retrouver ses parents, donc une autre mère, un autre père, c'est comme ça qu'elle les appelle, qui sont vraiment ravis de la voir, qui veulent tout faire pour lui plaire, qui veulent lui préparer des bons plats, qui veulent jouer avec elle. Donc tout dans cette autre vie a l'air vraiment magnifique, magique. Le problème évidemment, c'est que ce n'est absolument pas ce que cela semble être et que le danger guette Coraline. J'ai beaucoup aimé cette histoire, moi ça m'a replongé dans le dessin animé bien évidemment, donc ça a été un superbe moment de lecture. Il y a ensuite Frisbee et le secret de Nim, c'est aux éditions Hachette et ça a été écrit par Robert O'Brien. Ce livre, c'est une vraie madeleine de Proust pour moi, c'est un véritable coup de cœur, étant donné que durant mon enfance, j'ai regardé un nombre incalculable de fois le dessin animé Frisbee et le secret de Nim avec ma sœur. Dans ce livre, nous suivons Madame Frisbee et ses quatre souriceaux, étant donné que c'est une petite souris. Elle a deux garçons, deux filles. On a Cynthia et Teresa et on a Martin et Timothy. Elle vit dans sa petite maison, dans un champ. Et à un moment donné, Timothy, le plus petit, tombe gravement malade. Elle va voir le docteur qui lui dit qu'il doit garder le lit pendant 3 semaines à 1 mois. Le problème, c'est que la période des labours arrive et qu'ils doivent déménager dans leur seconde maison le temps que le tracteur retourne le champ. Ici, Timothy ne peut pas bouger, donc ils ne peuvent pas faire ce déménagement. Madame Frisbee va donc faire appel aux rats. Ce sont les rats de Nîmes. Nîmes étant un laboratoire, donc ce sont des rats qui ont été pendant tout un temps des expériences de laboratoire. Suite à ce passage, ils ont développé plusieurs aptitudes, donc ils ont une longévité plus importante que les rats habituels, mais surtout ils sont devenus beaucoup plus intelligents. Elle va se diriger vers eux afin qu'ils puissent l'aider à déplacer sa maison et ainsi éviter que son fils doive sortir et risque de devenir encore plus gravement malade et éventuellement mourir. C'est une lecture très jeunesse, il y a des petites illustrations dedans, ici.
Chaque début de chapitre, on en retrouve aussi. Voilà. Ah, ici, un autre début de chapitre. Donc si vous commencez cette lecture, il faut savoir que c'est vraiment pour un très jeune public. Moi, ça m'a pas dérangé étant donné que ça m'a replongé dans mes souvenirs d'enfance. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture. Si vous aussi, vous faites partie de cette génération qui a bien connu Brisby et le secret de Nîmes et qui adorait le dessin animé, vous allez adorer cette histoire. Par contre, si vous connaissez pas, c'est une bonne occasion de le découvrir, mais toujours en ayant conscience que c'est un livre vraiment jeunesse. C'est terminé pour les romans, je vais maintenant passer au manga. Voici. J'ai continué Shadow's House, le tome 3 et le tome 4. On suit toujours ici le personnage d'Emilico et de Kate, Kate Shadow. Emilico est la poupée vivante de Kate. Les shadows n'ont pas de visage, ils émettent de la suie. Et donc pour qu'on puisse voir leurs émotions, leurs expressions, ils ont besoin d'une poupée vivante qui va leur correspondre le plus possible. Alors pour voir si les poupées vivantes et l'ombre sont en phase, ils passent par une exhibition. Donc c'est une sorte de test avec des épreuves. À la fin de ces épreuves, durant l'exhibition, si la paire poupée vivante et ombre réussissent, ils pourront être considérés comme étant adultes et faisant partie de la famille Shadow. Ici, nous sommes en plein dans l'exhibition, donc ils vont passer les épreuves. Il y a évidemment Emilico et Mademoiselle Kate, mais il y a également quatre autres paires de poupées vivantes et leur ombre respective. Alors j'ai bien aimé la suite de ce manga parce que dans ces tomes-ci, on va en apprendre davantage sur les autres paires de poupées vivantes et d'ombres. Il y a également les relations entre les différents personnages qui vont évoluer davantage. Donc aussi bien les ombres avec leurs poupées vivantes, mais également les poupées vivantes entre autres poupées vivantes. L'intrigue s'épaissit un petit peu plus. On en apprend un petit peu plus sur le fonctionnement de la famille Shadow. Le personnage d'Emilico est toujours le même, toujours aussi attachant. Elle est bienveillante, elle est généreuse. C'est vraiment un plaisir, elle est un optimisme incroyable. Donc c'est vraiment un bon moment passé en compagnie de ce personnage. Nous avons maintenant les BD. Je commence par La boîte à musique, le tome 5. Je continue la saga. J'ai adoré les premières BD. C'est ici aux éditions Dupuis. Je conseille, franchement, c'est génial. Les planches sont magnifiques. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Dans cette histoire, nous suivons Nola, ici, qui est une petite fille. Sa maman est décédée et elle lui a laissé une boîte à musique. Une boîte à musique qui est particulière parce qu'elle lui permet de rejoindre un monde qui s'appelle Pandorien. Et donc, ça tourne autour. On suit ses aventures au fur et à mesure des tomes. C'est vraiment très chouette. Ma seconde lecture de BD, c'est celle-ci, Sœur 10. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est une BD qui fait quand même plus de 200 pages. C'est une BD qui revisite la légende celtique de la ville d'Is. Les remparts de cette cité ont été érigés grâce à la magie. Donc les remparts vont permettre de protéger la cité des flots, mais également des monstres marins. Grâce à la magie de la reine, à sa mort, elle laisse ses deux filles et le roi. On a la sœur aînée qui s'appelle Rosen et on a la sœur cadette qui s'appelle Dai. Alors suite à cette tragédie, les deux sœurs vont commencer à s'éloigner. Donc on a la sœur aînée, donc héritière de la cité, qui va se tourner plus vers la nature, qui va s'éloigner de plus en plus de la vie de château et de ses habitants. Et on a au contraire la sœur cadette qui, elle, va profiter du luxe et des avantages de la vie de château et elle va également commencer à s'initier à la magie, tout comme sa mère. Le problème, c'est que l'éloignement de ces deux sœurs va mettre la cité en danger.
et va même provoquer sa chute. Dans cette BD, la narration est un petit peu au second plan. L'histoire se fait plus au moyen des images. C'est vraiment l'illustration qui est mise en avant. Il y a assez peu de texte. Je vous montre quelques plans. Voilà. Au niveau de la gamme des couleurs, comme vous pouvez le voir, on est principalement dans les tons bleu-vert, ce qui rappelle de toute évidence l'aspect nature, l'aspect de la mer qui est principalement mis en avant dans cette BD. Au niveau des cadres, on voit ici qu'il n'y a pas de bord bien défini comme c'est le cas dans les autres BD. Ici, voilà, c'est pas tout à fait carré, c'est pas géométrique. On dirait qu'on laisse un peu plus de liberté à l'image de manière à ce qu'elle s'exprime plus facilement, qu'elle soit vraiment mise en avant. J'ai bien aimé ce conte, cette histoire. Donc c'est une très chouette histoire de magie, l'histoire de la relation entre deux sœurs que le temps et la vie a séparé. Pour finir, je vais vous parler de ma lecture en cours. C'est celle-ci, c'est Dry. C'est de Neil et Jarrod Schusterman. Donc c'est l'auteur de la trilogie La Faucheuse, pour ceux qui connaissent. Ici, c'est aux éditions Robert Laffont. C'est une dystopie sur le thème des changements climatiques. Dans cette histoire, on va suivre une famille. Donc on a Alyssa et Jared qui sont frères et sœurs et leurs parents qui vivent en Californie et qui font face à une sécheresse. Donc il faut faire attention au niveau de l'eau jusqu'au moment où il n'y a plus d'eau du tout. Donc la famille va essayer de trouver des solutions. D'abord elle va se retourner vers les commerçants. Le problème c'est que toute la ville y pense. Donc on arrive vite à ne plus trouver d'eau à disposition via cette solution. Les autorités mettent en place des systèmes pour apporter de l'eau aux villes, bien entendu, notamment via des machines de désalinisation qui sont aux abords des plages. Les parents vont donc décider de faire le voyage jusque-là avec plein de bidons vides pour ramener de l'eau. Donc Alyssa et Jared, son frère, vont rester tout seuls le temps du voyage. Le problème, c'est que les parents ne vont pas revenir. Alyssa et Jared vont se lancer à leur recherche. Ils vont devoir faire face à pas mal de violences parce que le manque d'eau a changé clairement le comportement des gens, aussi bien des voisins que des personnes en général. Les gens deviennent vraiment plus agressifs, plus dangereux. J'ai commencé, comme vous pouvez le voir, donc je suis à la page 160. Il y en a plus ou moins 450 d'après ce que j'ai vu. Pour l'instant, j'aime vraiment bien. Je vous en dirai davantage une fois qu'il sera terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une très bonne journée.